Nous sommes à Saint-Paul-sur-Ubé et on va faire une jolie randonnée. Alors ça fait longtemps que j'avais pas pris la parole avec la vidéo. Comme ça a été demandé, souhaité, les gens aimaient bien, alors je vais recommencer à papoter avec vous à travers mes petites balades. Alors aujourd'hui je suis parti avec Christine. Et nous voilà à travers le département du 04. La neige a bien fondu, mais la pluie est toujours présente, alors on profite des rayons de soleil pour pouvoir partir faire des belles petites balades et vous les faire partager. Alors suivez-nous, à tout de suite, bye. Alors il y a de l'eau, avec les pluies et la neige qui est tombée. Enfin, plutôt la neige et ensuite la pluie qui a enlevé la neige. Le terrain et l'eau circule. Hein, là. Il y a du débit et puis il y a du courant. Alors maintenant, on continue sur ce petit sentier. Alors, nous sommes fin mai, comme je disais tout à l'heure. C'est le moment idéal pour faire ces genres de parcours parce qu'en saison touristique, c'est des endroits très pratiqués. Alors il y a des petites baraques avec des tables pour pouvoir casser la croûte. C'est quand même des parcours qui sont bien équipés. Pas forcément sauvages comme je les aime. Mais bon, avec les temps qu'on a eu jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment le choix de pouvoir faire de merveilleux paysages sans être trop en danger. Alors la balade continue. J'espère qu'elle vous plaira. Profitez comme nous. Alors une belle forêt de Ménez, formidable. Bien le Ménez avec ses il n'a pas d'épines comme les sapins ou les pins. C'est quelque chose de très doux au toucher. Alors là c'est peinard, hein. C'est butonique. Là c'est tranquille. Là, c'est 11h30, moi j'ai déjà la fringale. Bon, on va avancer quand même pas mal. C'est beau pour le cagnotique. Hein. Il y en a qui doivent donner un cœur joie là, en descendant cela. Ouf.
Ouh, il y a des faits rapides. Et l'eau, elle est pas chaude, là. Là, on voit le petit village du retour sur l'autre rive. Ça sera pour tout à l'heure, si tout va bien, quand j'aurai rempli mon ventre. Alors sur ces côtés, avec la puissance de l'eau, il y a des sentiers qui ont disparu et ils passent un peu plus haut pour éviter les bords de l'Ubé qui ont été avalés par l'eau. Après, on regagne les sentiers normaux qui sont mentionnés sur les cartes, mais c'est bien balisé, donc même avec ces détours, vous les suivez, ça vous évitera de traverser des endroits qui risquent peut-être de s'ébrouler, tout ça. L'eau a miné le sentier. Un petit village de tout à l'heure, où qu'on va traverser. Avec son église. Ici, alors comme j'ai l'habitude de dire, c'est la bonne saison en plus, parce que les feuilles dans ces coins de montagne, elles ne se sont pas développées aussi vite que dans les records qui sont, on ne voit plus rien si en se promenant sur les sentiers. Il faut tout deviner. Voilà, là c'est pas le cas. La nature a du retard, c'est normal. Alors là, on va regagner la première partie du... la moitié de cette montagne là, pour pouvoir faire le retour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des très beaux petits lacs qui sont de ce côté. Alors on y va en voiture ou à pied, suivant les randonneurs. Et ils sont magnifiques. Pour l'instant, là, c'est magnifique aussi. Une grande partie de ces maisons sont louées sur les périodes estivales. Il y a très peu de gens qui y habitent à l'année. Alors c'est extrêmement plat là. Hein. Tellement plat que je m'entends même plus respirer. Je souffre plus comme un bœuf, comme mes autres parcours. Ah, encore un coup d'œil. Ah, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche 26 mai, la fête des mères. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont encore allées voir les mamies, les mamans. On a fait un choix.
Voilà, il y a des grands passages, il y a des bons passages qui montent bien, qu'on va pas prendre tout de suite, on va les prendre plus loin. Alors tout à fait dans le fond là-bas, c'est notre point de retour. On va traverser par le pont du haut là-bas. Donc nous, on va prendre la route des Fouillouses. La route des Fouillouses avec une belle montée. Alors c'est le hameau de la Grande Sérène. Là on a attaqué la montée. Ça monte, ça monte. Mais c'est sympa. On a regagné la route. Maintenant, on va aller sur le pont du Châtelet, qui sera notre retour, comme je disais tout à l'heure, le point de retour, et revenir par le village là. Allez, on va aller casser la croûte maintenant qu'on a tout monté. À tout à l'heure. Pont du Châtelet. Notre retour. Et nous voilà au village. Grande Sérène.
village fantôme. C'est un village fantôme. Il y a du monde qui est en saison touristique. On nous étions en face alors. Voilà. Et nous sommes montés à travers là. On a remonté là pour rejoindre là-haut. Chemise un peu tordue. Alors on voit ici les anciens chemins emportés par l'eau. De l'eau, de l'eau, 1860. Bassin et lavoir monolithe. À la grande place du village. Magnifique. Il y a quelques touristes, pas beaucoup. Alors voilà, on quitte la route et le village. Et on redescend sur le bord du torrent pour entrer dans un joli paysage encore avec un parquet de fleurs magnifique. Oui, culture belle. On se joue plus, joli pont. Oh, il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud. Bon, ben voilà, cette rando se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce parcours vous plaise beaucoup. Et ben, je vous dis... A plus et bye.